Ben là, je vais faire mon botox. Mais ça fait partie de le rituel ici aussi. La gym, le botox. Je suis pas encore au lifting, mais ça va arriver. Elle sait que pour durer à Hollywood, il faut rester jeune et belle. Dans la Mecque du cinéma, tout est question d'apparence. C'est là que je vais. Il y a marqué plastic surgery, mais moi je fais que le botox. Hein. Hi. How are you? I'm good. I'm here for Dr. Deer. Okay. Oh, actually, I'm going to take a candy. Excellente. Voilà. Mes célébrités, elles viennent là. Et personne ne le sait, bien sûr. Elles viennent ou très tôt ou très tard. Naturel, mais elles font tout. Là, les creux, la bouche, légèrement. Hey, beautiful girl. Hi. Welcome. Léa vient ici toutes les six semaines. So, as you know, we are running. So, I want to do some botox because just after that, we are going to do. I have a photo shoot. Il faut que je préserve ton naturel pour que ta personnalité si magnétique se dégage de ton visage. On va faire une injection au niveau de ces fines rides ici. On va réduire avec du botox. Il y a des rides d'expression ici qui apparaissent quand on utilise trop ses muscles. Elle est toujours en train de regarder et d'observer ses clientes, très concentrée sur leur coupe de cheveux, donc on va les adoucir et comme ça, elle aura toujours l'air jeune. Je vais la rendre belle en 2 minutes. C'est parti pour une piqûre. Encore une petite injection ici. Moi, j'ai affaire à mes clientes tous les jours et je veux qu'elles se disent même si elle a 55 ans, elle est fraîche. Là, c'est tout ce que je demande. Comment tu veux vendre quelque chose de frais si toi, tu as l'air d'une vieille pomme? Logique, hein? Se faire botoxer, c'est devenu aussi banal que de se faire couper les cheveux ou maquiller. Yeah. Exactly. Here, it's a routine. Voilà. Voilà. Une routine à 1000 euros la séance. Thank you. Thank you. I see you soon. Thank you. Take care. Yes. On est à 3000 à l'heure, là. Mais c'est ça, ici. Tu cours tout le temps. T'arrêtes pas. Je te dis, là, moi, j'ai pas eu de day off. J'ai pas eu de jour de repos depuis 10 jours. À peine le temps d'avaler un sandwich. Une séance photo l'attend avec son assistante, Émilie. Le shooting a lieu dans le quartier de Bel Air. Just where he is. Go just across. More. Perfect. You take the suitcase. Okay. Then you're going to empty it. Prepare everything, Emily. Hey. Okay, Emily. I guess it's here we're going to do. Fast. Allez, go fast. Léa doit coiffer cette jeune chanteuse russe pour la pochette de son nouvel album. Elle discute avec la photographe du style à lui donner. One look. Like loose, like big hair, loose, like princess, like she flies. Oui, voilà, exactement. I'm doing the curly iron. Okay, Millie, allez. I need to have the curly iron. Le fer à friser est là. Il faut qu'elle ait le look un peu d'une princesse qui va courir dans les prés, tu vois. Quand elle travaille sur une séance photo, Léa ne plaisante pas. Sexy powder de hairspray. And the pins, you have the pins here? The pins are here? You didn't take it? Non, je ne les ai pas. Okay, do we have more pins like that? Oui. The pins, Emily. Son assistante a plutôt intérêt à suivre le rythme. Put me a pins, Emily, here. Don't stay like that block. Emily, put the pins. Allez. Hairspray, Emily. Pour vraiment que la fille qui est avec toi, elle te suive bien, hein? Sinon, je dis, laisse tomber, je vais faire toute seule. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un de pro. Emma, Emily, alors, hairspray. Donc, c'est vrai que je ne suis pas facile toujours, mais je veux que les gens ils me suivent. Si Léa est exigeante, c'est parce qu'on la paye cher pour être rapide et efficace. Moyenne, ma journée à moi, elle est 5 000. 5 000 dollars? Normalement, c'est ce que je prends. 5 000 dollars pour le photoshoot. Soit 4 400 euros. Pour une journée de travail. Sublime. Ne souris pas. Et pour ce prix-là, la chanteuse est transformée.